Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Il faut passer à travers une transition ici de la restructuration des institutions prévues par cet accord. Qu'est-ce qu'il faille que l'on fasse pour mettre un terme à la crise qui mine la RDC Congo d'après vous? Moi je suis pour la deuxième solution. Il faut une transition. Parce que avec les dirigeants que nous avons aujourd'hui, il est impossible de réaliser l'accord d'administration. L'accord cadre est clair. Ils ont tout fait, ils ont tourné, retourné les choses. Ils ont signé quand même un accord. Pourquoi nous ne pouvons pas respecter le texte que nous avons nous-mêmes signé? Qu'ils respectent ce texte, qu'ils convoquent le vrai dialogue. Cette histoire de concertation, c'est de la blague. Une vaste blague. Ils ont essayé de contourner le vrai dialogue. Ils ont essayé de faire les choses à leur manière, comme toujours. Alors, ça ne peut pas réussir. Parce que la vérité est une. La vérité est une. Tu peux essayer de contourner la vérité, mais elle sera toujours là. Jusqu'à ce que tu t'inclines devant la vérité. C'est ce que nous avons vu. Il faut qu'ils appliquent l'accord cadre, qu'on convoque le véritable dialogue, et du dialogue, qu'on commence une bonne transition. Parce qu'avec ces gens, ils n'organiseront jamais les élections. C'est depuis 2006 qu'ils nous font dormir, qu'ils nous roulent dans la farine à chaque fois. Alors nous en avons marre. Ils n'ont plus rien à nous dire. Les gouverneurs et les sénateurs vont faire bientôt 10 ans. Une nouvelle transition, c'est-à-dire retour au chemin 1+4? Non. Qu'on convoque d'abord le dialogue. À partir du dialogue, on trouvera le chemin. Le chemin va être trouvé dans le dialogue. C'est toujours avec Joseph Kabila comme président et les autres comme vice-président. La communauté internationale est là. Maintenant, elle est tout à fait impliquée, complètement impliquée dans le processus. C'est elle qui va nous aider à trouver le modus vivendi. Terminons avec l'état de santé du leader de votre parti qui défraie encore la chronique. Qu'y a-t-il au juste? Vous voulez trop parler de sa santé. Il y a longtemps qu'on vous a dit les jambes, il a la VT, les jambes, ne marchent plus. Je lui ai dit ça et il a rigolé. Je lui ai dit, toi, on dit là-bas que tu ne marches plus. Il a rigolé. Tu comprends? Il marche. Il marche. Seulement, il doit respecter le repos médical. Comprends. Ceux qui disent qu'il est à l'Ovanium, mais qu'ils aillent vérifier à l'Ovanium. Il est à mon collègue, mais qu'ils aillent vérifier. Pourquoi vous me posez ces questions? Alors que la RFI vous a dit toute la semaine, la passée, la RFI ne faisait que dire ça. Allez vérifier. Allez vérifier. Qu'est-ce que nous avons à cacher? Est-ce que lui, il vous a dit qu'il ne peut pas tomber malade? Il ne peut pas. Sama kimingi na monda cinéma pe na monda théâtre bana miki les a koinda makambwe baby aranvogue fimbo teto beta toutes les émissions à l'okuta l'okuta otalanga fimbu yango yeye na kata émission aranvogue bana miki li ba vrai chéri ba vrai jo ba tobalia rambala no ba ebozaka na posa ko découvrir théâtre pe na cinéma Landa www.congomikililive.com. C'est Kadhafi Mumudi. Kadhafi Mumudi. Otalanga. Aranvogue avec l'incroyable miracle. Quand vous les miraculez, émission à solo. Aranvogue. Hehe. Nasekio Mawa. Okole la nano l'élite. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.